Wij staan bij Frederik Bruinings, dat is de dierenarts van de Belgische jumpingploeg. Frederik, kan jij ons eventjes uitleggen wat de bedoeling is eigenlijk van deze testen vandaag? Vandaag is eigenlijk een conditietest in dezelfde omstandigheden als wij in Tokio gaan verwachten. Dat wil zeggen warm en zeer vochtig. Dus die toestanden hebben we hier nagebootst in de kliniek. En dan gaat het paard op een loopband en dan controleren wij de hartslag en de ademhaling. Of dat de paarden snel verzuren. Dus het is een echte goede conditietest om te zien of onze paarden in vorm zijn voor te vertrekken eigenlijk. We hebben ondertussen de Lux al aan het werk gezien. Dat is het paard van Niels Bruinzeels. Dat is een grote kanshebber voor de Olympische Spelen. Ben jij blij met hetgeen wat je tot nu toe gezien hebt? Of is dat moeilijk om daar nu over te oordelen? Wordt er nog gewacht op bepaalde resultaten? Ik kan al zeggen dat ik eigenlijk al heel blij met wat ik gezien heb. Kon het wel goed zien dat de Lux een zeer goede conditie was. Hij staat scherp en ik denk dat hij er eigenlijk al klaar voor is. Tuurlijk moeten wij nog wachten op bloedresultaten en enkele uitslagen, maar die zullen we wel in de loop van de dag gaan verwachten. We zijn nu begonnen met Nevados op de loopband. Eerst laten we Nevados een beetje stappen op de loopband, dat hij gewend wordt. Daarna gaat Nevados draven. We doen dat om zijn conditie te testen. Na 5 minuten gaat de band omhoog en gaan we het een beetje extra moeilijk maken. En dan stopt de band en dan wordt er bloed afgenomen. Dat bloed wordt gecontroleerd voor de verzuring van zijn spieren. En dat gaan we een paar keer zo herhalen om een beetje zijn limieten te kennen en te kijken op welk niveau Nevados verzuurt en hoe goed zijn conditie eigenlijk is momenteel. Voilà, donc on vient de terminer la première série de tests sur les chevaux qui sont candidats pour les Jeux Olympiques. Donc on a commencé avec les chevaux des sauts d'obstacle. Tout s'est très bien passé, les chevaux étaient très bien au niveau mental, donc la plupart se sont habitués très très vite au tapis roulant. Et les résultats des tests sont pour le moment très prometteurs, ils ont tous une très bonne condition, relativement aussi en fonction de ce qu'ils ont fait avant dans la saison. Mais voilà, les tests se sont très bien déroulés avec la difficulté ultérieure, disons, de thermoréguler, parce qu'on a quand même conduit des tests dans des conditions Tokyo, disons, donc qui reproduisent le climat de Tokyo au mois de juillet-août, donc avec une température de 27-28 degrés, 30 de température et une humidité entre 80 et 85. Et malgré tout ça, ils ont vraiment des très bons résultats au niveau de leur index de fitness. Donc pour le moment, on est très content. On a l'habitude de travailler avec des chevaux de sport. On déroule des tests d'effort, que ce soit sur piste ou sur les tapis roulants. C'est clair que ça n'arrive pas tous les jours de travailler avec des chevaux de si haut niveau, donc vraiment des étoiles. Mais d'habitude, on a disons la tâche de réaliser des tests de conditions pour voir un peu si le cheval est apte au travail et s'il y a des choses qui pourraient interférer avec ses performances, donc des problèmes plutôt cardiaque, respiratoire ou musculaire. Donc on a l'habitude d'être face à ces genres de situations, mais on a plutôt l'habitude de travailler avec des chevaux malades ou en tout cas qui performent moins bien. Donc on est assez réconforté de voir des valeurs si parfaites pour des chevaux de si haute qualité.